Hey yo tout le monde, c'est Monsieur, comment allez-vous? Moi ça va superbement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Outlast. Donc le tout premier. Puis quand cet épisode là sera terminé, on commencera le Whistleblower. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais à mon avis j'ai vu un extrait. Ça a l'air d'être bien dégueulasse et gore comme j'ai pu apercevoir. Et donc, je vous en dis pas plus, sinon je vais gâcher la surprise. Et ben voilà, je vais tout de suite chercher où ce qu'on était. Hop, on était à la salle administratif. Allez, c'est parti. On va bien se remettre dans le jeu. Bien commencer l'ambiance. Et voilà. J'ai dû mettre un truc vite fait en place. Voilà, je suis de retour. Bon. Du coup, on a une pile de rechange. Ok, on peut pas aller par là. Ok. Ah, bon bah. Ah, il est même plus là, l'enculé. Ah, putain de merde. Ah. Ah. Ah, putain de merde. Il y a un homme là-bas. Bonjour monsieur. Oui, vous aurez sûrement peut-être entendu mon GSM, c'est logique, je viens de recevoir un petit message, j'ai oublié de le mettre en silencieux. Et ça. Ouh, la petite pile. Ah, la petite pile. Ah, ça fait du bien. Bon, je suis désolé pour toi. Si t'es mort, hein. C'est pas ma faute. Ah, je suis bloqué. N'empêche, ça fait flipper d'être comme ça dans un endroit qu'on connaît. En vrai, le bureau il est tellement vide. Par où est-ce que je dois aller? Non, c'est certainement pas dans les toits que j'ai trouvé un passage. Ah là, il y a une porte ouverte. Oui, on filme tout ça, on est des... on fait un vlog. Ça, c'est mon PC. Voilà. On a vu mon setup. Juste, il y a un truc qui vient de briller. Ah non. Ok. Autant pour moi. Voilà une espèce en voie de disparition. What the fuck? Eh, cet homme n'a pas l'air très net du tout, au fait. Bonjour, on se connaît? Et trop flippant, ils sont là en train de regarder à quoi un écran taché de sang qui grisette. Ok. Mais pourquoi toutes ces portes sont verrouillées? Oh, tu fais ça, c'est bon, voilà. On fout le camp. Oh, c'était ça que je voulais. Ah, du local de sécurité, je crois que je l'ai vu tantôt. Ah.
Voilà, je vais mettre mon téléphone un peu sur vibreur. Voilà. Ouh, ce que je vais, moi. Oh putain de merde! Eh, hey, vous allez arrêter de faire ça! Putain, le docteur est mort, Rachel, et il faut que vous m'aidiez. Mais et si t'as voulu que je t'aide, pourquoi tu m'as sauté dessus? T'avais qu'à le demander, non? Espèce de petit con. Regardez, il se met en PLS. Putain, il m'a fait peur, ce petit con, là. Oula. Bon, encore. Vas-y. Le local de la sécurité, je sais, je me souviens. Il doit être là-bas. Ok. Autant pour moi. Ah, ben lui, il est mort en faisant caca. Très bien. Ok, mec, comment tu t'es retrouvé là? Eh, c'est pas par là qu'il faut remonter. Mais mon gars, c'est quoi ça? Eh, mon gars, mais il faut te faire soigner si t'as voulu rentrer là, sortir par là. Eh, mais tu te coinces pas comme ça. Ils ont voulu faire une partie, ils se sont disputés, et voilà. Comment ça termine? Par contre, il y a des bouts de corps là partout, mais c'est quoi ce truc? C'est dégueulasse, il y a du sang partout aussi. Putain, je sais pas, mais vu les mouches, il doit puer grave. Ah, voilà le local de sécurité. Tu fermes cette porte? Voilà. Ah. N'essayez pas de vous battre. Pourquoi? Eh, c'est celui qui m'a appelé petit cochon. Faut le filmer. Regardez. C'est lui là. Tu es passé par ici, pas vrai, petit cochon? Je vous retrouverai tous, tas de putes. Ok. C'est toi le tas de putes, et c'est plutôt un tas de gras aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Vas-y, dégage. Fous le camp, allez. Et dégage ton gros cul de là, toi. Espèce de macaron. Ok, je me barre d'ici. Ah, bah elle est ouverte. Le mercredi 10 février 1954, les recherches et... Et expérimentations hypnotiques se sont poursuivies dans le bâtiment 13 de la zone naturelle de Mont Massif, Colorado, sur les sujets suivants. Un test post-hypnotique a été mené sur des sujets hypnotisés. La nuit précédente, doigt pointé, dormait. Ouah, les termes qu'ils utilisent, je sais pas. Les dames Jackson et... Attends, les dames Jackson et Pierce ont immédiatement rejoint un état hypnotique profond sans nécessité de sujection supplémentaire. Il a ensuite été ordonné à Madame Pierce, qui avait auparavant exprimé un vif crainte des armes à feu, de recouvrir à tout moyen à sa disposition pour réveiller Madame Jackson, alors en sommeil hypnotique profond. Et si elle n'y parvenait pas, de prendre à main un pistolet déposé à proximité et de tirer sur Madame Jackson. L'ordre a été émis de manière à générer chez elle une rage telle qu'elle
n'hésiterait pas à tuer Jackson si elle ne parvenait pas à la réveiller. Madame Pierce a appliqué ses suggestions à la lettre, y compris presser la détente de l'arme à air comprimé et son projectile qu'elle pointait sur Jackson avant de plomber dans un profond sommeil. Après énonciation des suggestions appropriées, toutes deux furent réveillées et ont déclaré ne se rappeler aucun élément de la session. L'arme fut de nouveau proposée à Madame Pierce, qui refusa en état d'éveil de la saisir ou de l'accepter alors que l'opérateur la lui étendait. Elle nia énergiquement avoir jamais tenu cette arme en main. Ok. Ok, bon, je réponds vite à maman parce qu'elle est en bas, m'a envoyé une vidéo que on devait faire en famille, tu vois. Enfin, voilà quoi, tout le bordel. Bon, bref, on repasse à nos moutons. Ok. Voyez pourquoi je me cache? Je le savais qu'il allait y avoir un truc. Je le savais. Et s'il n'y aurait rien eu, j'aurais pété un câble. What the... Vous voyez, je l'ai vu, il y a quelqu'un qui est rentré. Lui, il est là pour me taper. Ah merde! Hey, je m'en fous, je l'ai activé! Je me casse! Oh merde, 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 merde! Hey, je m'en fous, je me casse! Oh merde! Non, 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 putain, il m'a eu, cet enculé, il m'a eu. Putain de merde, il fallait rallumer ces disjoncteurs et je vais jamais réussir en vrai. Je crois qu'on va souvent mourir dans cet épisode. Putain, on recommence où? De là? Ah oui, c'est vrai, c'était fermé là.
Faut activer les deux pompes. Ah mais quelle pompe? Ok. On va économiser un peu les piles. Ok, bon, très bien. J'ai activé les deux trucs. Ça veut dire qu'il est juste à côté, il est ouvert l'autre casier. On va repasser. Putain, ça va être tout le temps comme ça. Regardez, il va ouvrir l'autre casier. Comme d'hab. Il va la refermer. Voilà. On va attendre là pendant un petit moment. Voir ce qu'il fait. Oh putain la chatte que j'ai eue! Oh putain la chatte! Oh putain de merde! Oh putain, on a eu du cul! Allez, dégage! Merde, c'est pas par ici que j'aurais dû passer en vrai.
Oui, je sais que tu me cherches. Et hop, il revient ici. Ah, là 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 là. Ok. Je me casse. Je vais manquer de piles. Oh merde, il m'a vu. What the fuck? M'a tapé de où? Putain, j'ai stressé. Oh putain de merde. Ok, je me retrouve dans la même connerie que tantôt. On va attendre qu'il passe, on va attendre un petit temps qu'il va passer son chemin quoi. Oh putain de merde, il était là. Putain de merde, non! Oh, c'est ça, se dépêcher trop vite. Moi, j'ai compris le truc. Oh, c'est bon! Oh, oui, c'est bon! Oh, c'est très bon, ça! Ah, oh, c'est même excellent, ça! Oh, putain de merde! On a réussi! Il me faut une pile absolument. Je suis passé par ici tantôt, non? Ah oui, je suis passé par ici. Je me souviens plus, je suis passé par ici ou pas tantôt? Ben non, ça semble bien. C'est pas par ici que je suis passé non plus. Bah ouais, c'est par là que je suis passé. Bah alors. À mon avis, je suis passé par là, donc je vais retrouver un autre chemin. Intelligence. Est-ce qu'il y a une pile quelque part? Bordel de merde. Ça, je n'y vois rien. Allez quoi, une petite pile. Non, il n'y a pas de pile au fait. Bon, tant pis.
Ah, peut-être ici, peut-être une pile ici. Oh là là, j'y vois rien du tout. Allez, quoi, une petite pile. Non. Non, c'est trop demandé, une petite pile. Putain, le titre, ça va être Outlast, la recherche d'une pile. Oh, c'est dingue, je vais devoir marcher comme ça tout le long sur le 2 en regardant le sol là-haut. Dites-moi qu'il y a... Je rêve, il n'y a pas de pile ou quoi ici? C'est trop magique d'avoir une pile? Allez quoi, une petite pile de rien du tout. Et je suis sûr que j'ai raté une pile de peu tantôt. Non? Même pas. Ah! Une pile! Ah! C'est jamais comme ça. On va pas tout user non plus. Mais... Bah merde, je suis sûr que je suis passé par ici tantôt. Non, je suis pas passé par ici, je suis passé par où alors? Bah crotte alors. Alors je vais passer par quelque... par un autre chemin. Bah le seul chemin c'est par là alors. Oh putain ça m'en casse-tête en vrai. Ouais je viens de là. Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour se retrouver dans une autre salle? Merde alors, je suis passé par où tantôt? Pas par ici en tout cas, je me souviens pas. Je vérifie toujours si on doit pas passer par par ces trucs là, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs de ventilation. Par où je dois passer maintenant, c'est une blague ou quoi? Ah oui, voilà. Voilà, quand même. Je cours vers... Qu'est-ce que c'est encore cette conne? Désolé mon fils, j'aurais aimé... Ceci, mais vous ne pouvez pas partir encore, il vous reste tant à voir. Putain, il fait flipper. Le reverrez-vous, le pourrez-vous. Notre Seigneur, le Warhead, déchirant les mécréants pour y faire entrer sa vérité. What the fuck? Le seul moyen de quitter cet endroit, c'est la vérité. Si vous acceptez l'évangile, toutes les portes vous s'ouvriront devant vous. D'accord. Donc on va pas partir d'ici tranquillement. Et voilà.
Donc les gars, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça va extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve pour la troisième partie. Demain, je vous promets un deuxième épisode au fait. Parce que j'en ai pas sorti un vendredi. J'en suis désolé, j'ai eu autre chose à faire. Enfin, quelque chose de personnel. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça me fera extrêmement plaisir. Et nous, on se retrouve pour le troisième épisode. À la prochaine. Ou à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Peace.